Ballon pour Nani. João Moutinho. Il vient en contact. Oh, il se trouve bien. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Ah, ça passe très très largement au-dessus. Aucun danger. Cristiano Ronaldo. Ah, une saison inouïe, fantastique pour lui. Plus de 45 buts inscrits en championnat déjà. Et ce n'est peut-être pas terminé. Lukaku. Fabio Contrao. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Et il le passe. Mais c'était dangereux, mais ce ballon est contré. Ricardo Carvalho. N'Golan. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. En 1-2. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Les 30 derniers mètres. Avec Nani maintenant. Nani. Oh, quelle occasion! Mais ça entre! Cette ouverture du score, ça fait 1-0. Et le défenseur complètement dans le vent. Et il n'y a plus que le gardien. Il fit le but. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oh, elle y est. Le but qui sera refusé pour une position de hors-jeu. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau. La frustration du buteur. On voit l'action. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Le but est refusé. Une belle occasion là pour la Belgique. João Moutinho. Thiago. Cristiano Ronaldo. Et ce sera sans problème entre le gardien. Ah, il a bien anticipé. Thiago. Oh, la belle frappe! Ouais, c'est repoussé! Le ballon sort en corner. Cristiano Ronaldo. Eden Hazard. Et on tentait de passer par les côtés. Fabio Contrao. Cristiano Ronaldo qui évite le pire sur ce petit saut, il a l'habitude. Mise au mauvais endroit. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Pereira Carrasco.
attention à cette action côté belge. Ouais, le bon centre, il y a danger. Un ballon rendu à l'adversaire finalement. Avec Cristiano Ronaldo. Il se dispute le contrôle du ballon. Fabio Pentrao. Ah, retombé peut-être. Non, ce sera une fausse alerte. Golan. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il s'en est fallu de peu là. João Moutinho. Ouais, bonne circulation du ballon. Il récupère le ballon. Voilà la passe en retrait pour le gardien. Oh, 5 minutes de temps additionnel. On va jouer 5 minutes supplémentaires. C'est pas terminé. Le cadre. Eden Hazard. Vieirinha. Le ballon retourne dans les pieds du gardien. Mertens. Ah, oh, la parade du gardien. Allez, on va voir ce que ça va donner ce corner. Oh, c'est parti! Allez, c'est encore un corner. Pas mal pour ce match. Oh, le beau tir! J'ai pas tout compris. L'habitant qui est sifflé à l'instant, un tout petit peu d'écart entre deux affichages. Un seul but en effet, le match reste serré, tout est encore possible. On a vécu une première mi-temps assez terne en ce qui concerne le score. Et ce match reste complètement ouvert, c'est ce qu'il faut se dire. Pour être positif. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Seconde période de ce match. Bon ballon d'attaque. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Thiago. Bon jaillissement sur cette passe. Oh, le sauvetage du gardien. Et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. Le gardien qui se détend, ballon capté. Ouais, c'est le dernier rempart de l'équipe. Oui, le geste. Ah, attention, la frappe. Et une fois de plus sur ce ballon. Oh, c'est dedans, ils égalisent. Allez, le ralenti tout de suite pour bien comprendre la construction de ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais l'attaquant a bien suivi l'action. Un but plein d'opportunisme. Et tout est à refaire, un but partout. Ouais, contre du défenseur. Il ne peut maîtriser ce ballon. Ils obtiennent un corner. Thank you.
Vertonghen. Ouais, le duel. Il est à la récupération au milieu de terrain. Dommage, dommage, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Kevin De Bruyne, nous sommes déjà bien avancés dans la saison et il ne compte que 10 buts jusqu'à présent. Alors il va essayer de profiter des dernières rencontres pour améliorer son rendement offensif. Thiago. Dani. N'Golan. Et ce ballon qui traîne. Mertens. Et c'est un coup franc pour le Portugal. Alves. Attention à cette perte de balle au milieu. Et le ballon qui reste sur l'aile, bien joué. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et cette action n'ira pas plus loin. Allez, un dernier dégagement. Et le gardien fait signe de monter. Il va y avoir du monde à la retombée. Et non, il ne donnera pas l'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu, hein, de la part du gardien. Ah oui, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Il s'approche. Il faut s'appliquer maintenant. Oh, le ballon peut être repris. La défense qui dégage loin devant. Thiago. Bonne récupération au milieu de terrain. Oh, il est passé. Superbe geste technique. Vieirinha. Fabio Contrao. Mertens. Ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Vieirinha. Bon arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. N'Golan. Ballon pour Cristiano Ronaldo. La très bonne sortie du gardien. Et oui, il fallait y aller sur ce ballon. Nani. Mertens. On retrouve finalement à la touche. Fabio Contrao. Le joueur portugais a été stoppé irrégulièrement, un coup franc. Thiago. Pereira Carrasco. Oh, il n'y a plus que le gardien. C'est un contre le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Il reste seul. Peut-être une élongation. Pereira Carrasco. Et le joueur belge qui progresse. Attention. Un petit aveu d'impuissance quand même sur cette frappe de loin qui avait peu de chances d'aboutir. Le joueur qui a confondu vitesse et précipitation. Et c'est vrai qu'il vient de gâcher une très bonne occasion. Avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins cadré sa frappe. Vieirinha. Nani. Il vient lui subtiliser le ballon. Il y a 4 minutes, hein, ce sera le temps additionnel. Oh, peut-être le coup de poignard. Oh, c'est parti. Oh, peut-être le but de la victoire.
avec ce but marqué en fin de match. Et voilà, c'est maintenant qu'il fallait accélérer, ils ont su le faire. Ils prennent, c'est vrai, un avantage au meilleur moment. Eh oui, ils ne se sont pas contentés du match nul, ils ont voulu plus que ça, Hervé. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Donc il fait du bien ce but, Franck, il est important. Oh que oui, moralement c'est hyper important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se criser non plus, mais il y a un avantage à préserver. Ouais, je le tire. Ouais, on lui a barré la route. Ah, il s'est blessé et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Et il n'y a plus que le gardien. La frappe de loin, c'est un but. Les défenseurs, ils ont intérêt à pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui. Il a pris sa chance de loin. C'était certainement osé, mais il a un petit peu surpris le gardien, je pense. Et avec ce nouveau but, eh bien, ça fait 3 buts à 1 maintenant. Mais c'est fini. Un match amical bien négocié pour eux au final. Ouais, c'est une belle victoire. Alors, c'est sûr que ce match était sans véritable enjeu, mais les joueurs se sont fait plaisir, il me semble. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Et c'est parti pour 90 minutes. On a deux joueurs à la lutte. Peut-être une occasion. Joli pour le gardien. L'enjeu signalé par l'arbitre. Tout droit vers les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Ok, elle est bien partie. Excellent plonge. Et c'est fait. L'ouverture du score à l'instant. Une action limpide qu'on va pouvoir revoir avec ce ralenti. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais l'attaquant a bien suivi l'action. Un but plein d'opportunisme. Et c'est donc l'ouverture du score à 0. Elle perd ce ballon. Il centre. Coup de pied de coin. Un ralenti qui nous permet de revoir ce but. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu.
Ah oui, le bon centre dans la surface. Le gardien qui est à la réception du centre. Ah, la bonne occasion. Oh, c'est bien parti. Il y est. Ah, le joueur qui trouve la lucarne. C'est parfaitement dosé, il n'y a rien à dire. Et deux buts à rien, il domine les débats. Il lui remet. Erreur de marquage. Oui, le geste. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Oh, ça s'agit autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Ah, c'est le jaune. Ah, il commet bien une faute sur ce tacle glissé. Et sur le ralenti, on se rend mieux compte de la faute. Ah, en France, il commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Alors, ballon contré. Et le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Oh, le beau tir! Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ouais, je pense qu'il s'en veut un peu là. Alors jeu. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Il va devoir protéger son ballon. Il a plongé dans les pieds de l'adversaire sur ce tacle. La frappe ! Ouais, c'est repoussé. Ouais, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Ah, ils n'iront pas plus loin. Ouais, pas de souci hein, pour le gardien. Dans le but de nouveau, il laisse apprécier. Hors-jeu, estime l'arbitre. Et l'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, une frappe de mule, mais qui ne sert à rien, qui passe très largement au-dessus. Kevin Defour. Oh, il a écœuré son défenseur. Oh, il lui suffit de tromper le gardien maintenant. Oh, la belle frappe. La volée. Un ballon qui a été mal frappé. Je crois qu'il a pris trop de l'extérieur. Excellente interception. Bien joué.
Ouais, la belle passe. Avec un mango. Ce sera un corner. Voilà, tête. Très belle intervention du gardien. Oh, quelle occasion! Ouh là là, quelques centimètres au-dessus. Qui est peut-être fait à la pause. Le score pour le moment est de 2-0. Grosse domination dans cette première période. Et le match reprend à l'instant. C'est le début de la seconde période. Avec un mango. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Gagne son duel. Attention, le tacle. De Camargo. Oh, il la récupère. Silvio Proto. Oh, quel joli tir! Ah, il n'a pas hésité à se jeter sur ce ballon. Ouais, corner, et il y aura danger dans la surface. C'est une tête. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris sur le corner. Non, on espérait mieux, c'est vrai. Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Et finalement, il parvient à rester debout. Attention, ne pas commettre de faute. Avec Margot. Et la voilà, la frappe. On voit sur ces images que le joueur a tenté un geste difficile. Mais l'angle était bien fermé quand même. Une petite feinte de tir n'aurait pas été de trop. Le gardien qui a dû s'employer sur ce ballon. Et très bel arrêt. Le tacle et le ballon qui n'est... Oh oui, c'est le face à face avec le gardien. Ouais, je le tire. Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ouais, je pense qu'il s'en veut un peu là. Non, il y a hors-jeu. Il y a un hors-jeu qui est signalé. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Alors, ce ballon partait bien, mais le gardien a répondu présent. La défense qui est sous pression avec ce corner qui est concédé. Il tente une reprise de volée. Il dégage avec autorité, c'est bien joué. La frappe. Oh, il repousse. Peut-être le but.
L'occasion peut-être avec cette frappe. Oui. Ah, les adversaires vont avoir du mal à revenir dans ce match. Attaque intelligente, très réussie, il récupère le ballon. Oh, ça va rentrer. Oh, poteau, et ça sort. Sur la frappe. On est tranquille pour le gardien qui a vu le ballon venir à lui. Et ce sera penalty. Et trompe le gardien sur ce pénalty. Il y avait la pression, mais le tireur n'a pas tremblé. Il a levé la tête juste avant la frappe pour voir si le gardien était parti ou pas. Et le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match, mais enfin bon, qu'elle mérite d'exister. Oui, il est trop tard pour eux, mais c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement dominé. Ça évite de sombrer complètement. Ouais, bonne abnégation sur cette interception. Ah, ils perdent cette balle. On va s'arrêter là. Il y a hors-jeu. Adrien Trebel. Steven Defour. Je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout. Oh, c'est bien parti. L'enjeu signalé par l'arbitre. Attention à cette perte de balle au milieu. Avec Margot. D'éviter le tacle. Et la voilà, la frappe. Arrêt des gardiens. Et le ballon est sorti. Ce sera un corner donc. Ouais, la petite taupe. La petite taupe qui a sorti la tête, Franck. Ouais, juste quand il allait frapper. C'est dommage. Ouais, c'est très bien taclé ça. Steven Defour. L'arbitre qui vient de délivrer les joueurs, c'est la fin du match. Alors c'est souvent le cas entre ces deux équipes. On a véritablement assisté à un gros choc. Ah oui, un gros match, Hervé, entre ces deux équipes hein, qui se connaissent bien. Il y a toujours une grosse rivalité entre ces deux formations. Et je peux vous dire qu'entre supporters, ceux qui ont le sourire, à mon avis, vont chambrer le camp adverse.
Merci de votre attention. Merci à Franck, à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce match. Salut. L'arbitre a bien vérifié que tous les joueurs étaient prêts. C'est le Portugal qui engage. Bonne récupération au milieu de terrain. Ouais, dans le couloir. Fabio Quintrao. Thiago. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Fabio Quintrao. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Il va mieux sauter hein, sur ce tacle. Un beau duel en perspective. João Moutinho. Joli passe. Il tente la volée. C'est pour le gardien. Un corner pour le Portugal. Ce corner, ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Marine René, il est déjà bien avancé dans la saison. 12 buts seulement pour lui jusqu'à présent, total certes honorable, mais qu'il va tenter d'améliorer. João Moutinho. Fabio Quintrao. Allez, qui pour le reprendre? C'est le défenseur qui est sur ce centre. Oh, le tir! Oh, c'est au fond! C'est au fond! Déjà un but, ça démarre bien! En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus tenté, hein, qui a récompensé. Deux équipes sont proches et ça s'est joué à l'envi. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. João Moutinho. Henderson. Avec Wayne Rooney. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Fabio Quintrao. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, c'est bien taclé. Dani. Mais ce sera sans danger puisque le ballon passe à côté. Jack Wilshere. Henderson. Thiago. Joey Hart. Jack Wilshere. Henderson. João Moutinho. Un très bon tacle. Et lui redonne.
Wilson. Gibbs. Et l'attaquant qui est en position de hors-jeu, estime l'arbitre. Nani. Nani. Ah, c'est bien tenté, mais le gardien n'a eu aucun mal pour se saisir du ballon. Oh, c'est pas bien défendu, ça, c'est pas bien défendu. Ah, que veut dire l'arbitre ? Ballon pour Rooney. Non, ça n'ira pas plus loin. Ronald Alves. Dani. Smalling. Fabian Delph. João Moutinho. Anderson. Sortie de but. Ouais, la passe très bien en direction de Wayne Rooney. On a deux joueurs à la lutte. Arrêt. Faute, faute et coup franc, ça peut être dangereux. La cage quand même. C'était un coup franc dangereux et le gardien peut respirer. Dani. Et le gardien qui ne risquait pas de se faire surprendre sur cette frappe. Thiago. Oh, il la récupère. Non, c'était trop beau là pour Wayne Rooney, signalé hors jeu. Thiago. Fabio Quintrao. Anderson. Tausen. Et ce ballon qui traîne. Fabio Quintrao. Oh, c'est un centre à mi-hauteur dans la surface. Il n'arrive pas facile hein, pour le gardien sur cette tête. Ouais, puis bien joué de sa part. On va mettre une faute commise sur le joueur anglais. Cristiano Ronaldo. Une saison inouïe, fantastique pour lui. Plus de 45 buts inscrits en championnat déjà. L'habitant qui est sifflé à l'instant. Un tout petit but d'écart au tableau d'affichage. Un seul but en effet. Le match reste serré. Tout est encore possible. Et c'est reparti pour cette seconde période. L'Angleterre a le ballon. Carton peut-être.
Fabian Delph. Ouais, 1-2. Kyle. Jack Wilshere. Fabian Delph. Un tacle très propre, une belle interception. João Moutinho. On récupère ce ballon dans notre jeu. Ah oui, magnifique, sur quelques mètres, vraiment, Cristiano Ronaldo est incomparable. Anderson. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Bien capté par Hart. João Moutinho. Il va devoir protéger son ballon. Ballon pour Rooney. Gibbs. Wayne Rooney. Hors jeu ou est-ce qu'il y a hors jeu? On va voir ça ensemble. João Moutinho. Oh, la belle frappe! Ça passe très loin du cadre. Jack Wilshere. Jones. Anderson. Et la voilà, la frappe! Et le gardien qui s'interpose. Et dans la surface, le but peut-être. La balle pour Wayne Rooney. Tosin. Jack Wilshere. On est passé en profondeur. Non, ça n'arrive pas. Jolie frappe! Elle ne peut s'en saisir, ça sort à la défense anglaise qui concède le corner. Oh, quel joli tir! Oh, il y croyait sur cette action. Ouais, il se voyait bien marqué en effet, il a tout de suite regardé vers son banc. Tosin. Tosin. Dani. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Et le centre peut-être. Ouais, pas de danger pour la défense. Cristiano Ronaldo. Rodjo Hart, l'arrêt. Oh, le beau tir. On s'est repoussé, attention. João Moutinho. Ah, il perd le ballon. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement.
bien centré, attention. Et l'arbitre a sifflé, coup franc. Oh oui, c'est parti. Je peux vous dire que ses coéquipiers sont furieux après cette action. Il n'a pas fait de bon choix, hein, c'est évident. Pourtant, c'est une action importante. Kyle. C'est bientôt fini, mais il y aura un coup franc. Et voilà, c'est déjà le deuxième carton rouge pour lui cette saison. L'arbitre qui a décompté les arrêts de jeu, il y aura 5 minutes de temps additionnel. Jack Wilshere, Gibbs. Un joueur qui a confondu vitesse et précipitation. Et c'est vrai qu'il vient de gâcher une très bonne occasion. Avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins gardé sa frappe. Fabio Contrao. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Alors, que dire de cette victoire, Franck, acquise oui, sur la toute petite démarche. C'est une victoire.
La frappe ! Et ce tir n'est pas cadré. Et manque d'application dans la frappe. Il récupère ce ballon dans notre jeu. Bonne interception. 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, le ballon qui tape la transversale. Sergio Agüero. Il est à la récupération au milieu de terrain. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. Oh, il va aller au bout, il va aller au bout. Oh, la jolie frappe. Et but pour l'Argentine. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Oui, belle talonnade. Sergio Busquets. La mi-temps vient d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré. Un seul petit bout d'écart, c'est peu. Il reste possible en seconde période. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas l'équipe la plus entreprenante. Les Espagnols bien installés aux commandes de cette partie. Ils sont à l'engagement. Il va centrer. Il s'est pas embêté avec la relance. Iniesta. Et c'est sifflé, on va voir. Juan Fran. David Silva. Oh, le beau tir! Et le gardien qui plonge pour se saisir du ballon. Silva. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien! David Silva. Ok. Andrés Iniesta. Isco. Oh, c'est bien parti. Oui, intervention du gardien qui repousse. Et l'Espagne va récupérer le ballon avec cette touche. David Silva. Morata. Est-ce que cette faute vaut un avertissement? Donnera rien. Ouais, le ballon atterrit dans ses bras. Isco. Oh, la belle frappe! Iniesta! Quelle classe! Superbe. Il a tout bien confirmé qu'il est quasiment irrésistible en ce moment. L'occasion de l'adversaire et qui marque donc en toute logique. Et avec ce nouveau but, eh bien ça fait 3 buts à 1 maintenant. Et Sergio Ramos pour essayer de reprendre ce ballon. Et le gardien, bien sûr, qui a eu tout le temps de voir venir ce ballon. Le gardien qui va jouer long. Et l'une des dernières offensives, hein, sûrement. La remise en jeu sera espagnole. David Silva. Oh, il n'y a plus que le gardien à battre. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, le poteau et ça sort.
le ballon, mais ça joue. Javier Mascherano. Silva. Récupère ce ballon dans l'entrejeu. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir carton ? Mascherano. Quel effort sur cette interception. Oh, le tir ! But pour l'Espagne ! Ils ont intérêt à pas le lâcher aujourd'hui, deux buts déjà pour lui. Ah, ce nouveau but, en tout cas, semble leur ouvrir la voie de la victoire. De Busquets. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Encore le gardien, c'est gagné. Il s'ouvre le chemin du but. Le ballon est intercepté sur cette passe de David Silva. La défense qui récupère. Pepe. Oh, cette tête qui ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimètres en effet. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Silva. Isco. Javier Pastore. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Oh oui, oh oui, le duel avec le gardien. Oh, le contre terrible. Ouais, je le tire. Iniesta qui confirme qu'il est en super forme avec 3 buts déjà dans ce match. Une performance exceptionnelle. Plus rien ne l'arrête, c'est déjà son troisième but aujourd'hui. Et il y a des jours comme ça où tout marche ou presque. Et le score qui est désormais de 5 buts à 1. C'est dommage pour eux, ils auraient bien eu besoin d'un but pour revenir un peu dans la partie. Touche pour la team. Javier Pastore. Attention! Et le gardien sur la trajectoire! Et c'est donc un corner. Ah, pas de soucis pour le gardien. La tête manquée de conviction et de précision. Silva. David Silva qui titube mais qui reste debout. Andrés Iniesta. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Ah, ils auraient été bien inspirés là de conforter leur avance sur ce coup. Contre amical qui se solde par une victoire écrasante. Qui a très vite pris la mesure de son adversaire et la confiance aidant. Comment commenter un match international aussi déséquilibré ? Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire incontestable, un match un peu à sens unique hein, tout de même. On a senti tout de suite. Hein.